On va tout de suite parler à la personne qui a été l'avocate de cette cause, Maître Kimiane Brown. Maître Brown, bonjour. Bonjour. Question, évidemment, c'est le dédommagement, là, je viens de le dire, c'est l'ampleur du dédommagement. Comment vous avez réussi à convaincre le juge d'obtenir un montant de la sorte? En fait, le cœur du dossier, vous l'avez mentionné, repose sur les augmentations considérables de loyers. Donc, on a fait des savants calculs qui ont démontré que le propriétaire a tiré des profits substantiels d'à peu près 57 000 $ qui résultaient des augmentations de loyers depuis le départ de la locataire. Et donc, la théorie, en fait, c'était que de punir adéquatement un propriétaire consistait à le dépouiller un peu des profits qu'il a fait, qui découlent directement de la faute qu'il a commise. Donc, c'était un peu le cœur de la cause, le cœur de notre théorie pour obtenir des dommages aussi importants. Mais le cœur de ce qui fait qu'il l'a perdu, c'est que c'était de mauvaise foi, donc il n'avait pas fait les travaux. Là. La clé, c'est qu'il n'avait pas fait les travaux pour lesquels il avait évincé l'ex-locataire. Donc, il n'a pas fait les travaux promis. Exactement. Donc, il avait envoyé un avis d'éviction pour agrandissement. Donc, son projet devait être d'agrandir le logement et finalement, il n'a jamais procédé à l'agrandissement. Et le changement d'idée, en quelque sorte, s'est fait le même mois du départ de la locataire, là, selon la théorie du propriétaire, donc au mois de juillet 2018. Donc, évidemment, c'était une éviction qui était de mauvaise foi. Mm-hmm. Le délai est quand même énorme, non? Pour obtenir une décision? Oui, bien là, 2018-2024... Les délais sont assez importants. Les causes de reprise et d'éviction de mauvaise foi sont pas des causes qui sont jugées prioritaires ou urgentes par le tribunal du logement parce que les locataires habitent plus le logement. Mais effectivement, la locataire a fait preuve d'un courage et d'une patience assez redoutable. Donc, elle n'a pas lâché. Au début, elle se représentait seule et par la suite, étant donné la complexité du dossier, elle a fait appel à mes services, là, finalement. Donc, pour l'aider, parce qu'effectivement, les délais peuvent être dissuasifs pour les justiciables. Ouais. Est-ce que, vous me dites, le montant était basé sur les profits supplémentaires là, que le propriétaire a générés avec son faux prétexte? Est-ce que la juge a tenu compte des difficultés connues par la locataire? Est-ce que ça rentrait dans l'argumentaire, là, la difficulté à se reloger qu'elle a connue dans les années suivantes? Effectivement, l'argumentaire était à l'effet qu'elle a éprouvé des difficultés substantielles pour se retrouver un logement, mais aussi que c'est connu, en fait, dans la communauté artistique du Milan, subit d'importants, ben, en fait, se font délocaliser, soit même de leurs locaux artistiques et commerciaux, de même que de leur logement. Donc, ça a été aussi le cœur de la plaidoirie de dire que c'était une personne, une artiste hein, qui faisait partie de la communauté. Et donc, de perdre ce logement-là, qui était une dimension de son identité, là, la juge le nomme, faisait aussi partie des éléments qui étaient aggravants, là, des facteurs un peu aggravants du dossier. Je me fais l'avocat du diable. Il reste que le logement était 465. Puis on connaît l'effet de notre loi. Comme on ne peut pas augmenter un locataire quand c'est le même locataire qui reste, en fait, un très petit pourcentage qui est autorisé par la régie du logement, ça fait qu'à un certain point, des logements, quand une personne passe une décennie ou plus au même endroit, les logements deviennent complètement en bas du marché, deviennent à un prix qui est complètement hors marché. T'sais, dans ce cas-ci, on dit de 465 à 1420, mais à 1420, il l'a quand même loué. Il y a quelqu'un qui a signé le bail, qui était bien content, qui avait un logement. Ça veut dire qu'à 465, ça avait comme plus de bon sens, non? Bien, en fait, le loyer était celui de la locataire et il existe des mécanismes de contrôle de loyer. Je dois aussi mentionner, parce que c'est mentionné dans la décision, que la clause G du bail du nouveau locataire à 1420 était remplie. Donc, le locataire avait dénoncé que le plus bas loyer était de 465. Donc, il appartenait au nouveau locataire de faire fixer le loyer au tribunal, ce qu'il avait le pouvoir de faire. Et malheureusement, je pense que c'est encore un exemple qui démontre qu'il faut que les locataires fassent valoir leurs droits au tribunal, sinon les mécanismes de contrôle de loyer sont vains. Donc, c'est dans ce cas-ci, le locataire aurait dû faire valoir ses droits pour faire fixer le loyer. Mais je comprends que ce loyer-là était peut-être bas pour le propriétaire, mais c'est la réalité qui vient avec l'investissement immobilier. C'est les risques qui sont inhérents aux investissements immobiliers, le fait d'avoir des bas loyers de locataires qui sont déjà en place. Ouais.
Avec les impacts de ça, évidemment, là, sur les logements peu rénovés. C'est ça le danger d'une loi sur le contrôle des loyers comme celle-là. Maître Brown, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.